Bienvenue à tous. J'ai le plaisir de vous présenter un langage sorti de la préhistoire. C'est un Lisp, hein, ça date de 1958, et qui finalement est ultra moderne au vu de ses promesses. Je me présente François Royer, je sais pas si on s'est déjà croisé sur la sphère toulousaine. J'avais fondé Datasio en 2012. Donc une petite start-up spécialisée dans le big data, et on était une boîte exclusivement ClojureScript. Ça s'est bien terminé pour nous, hein. On fait partie des rares à avoir fait un exit sympa. On a rejoint un cabinet d'audit, une petite boîte, hein, qui s'appelle PwC, et à qui notre approche en fait de la data, du big data et surtout de notre façon d'attaquer des problèmes complexes a beaucoup plu. Et notre petite équipe, là, une dizaine de personnes, les a rejoints l'an dernier. Voilà, vous pouvez me pinguer à François Royer sur Twitter si vous avez des questions. J'aurai plaisir d'y répondre. Spécial thanks à Arnaud Boss aussi, qui est un clojuriste avec qui on a ouvert un meet-up qui va nous permettre de parler un peu plus de ce langage qui est assez, je dirais, discret. Il est assez peu connu. Donc on vient de l'ouvrir, on l'a ouvert la semaine dernière, donc j'espère qu'on aura l'occasion de s'y retrouver si jamais le langage vous intéresse. Alors, une petite fiche d'identité, c'est un langage qui a fêté ses 10 ans, donc ça y est, il n'est pas encore trop jeune, donc j'espère que ça levera certains doutes par rapport à la jeunesse des langages et des frameworks, hein. Ceux qui font du JavaScript, vous imaginez le problème. C'est open source, donc c'est tout à fait légitime de le présenter aujourd'hui au Capitole du Libre, sous licence Eclipse. Le développement est fait de façon complètement open, vous pouvez aller voir sur le GitHub du projet, et vous verrez un nom revenir de partout, hein, avec voilà l'image, hein, c'est le designer, le lead designer et dictateur du langage, il s'appelle Rich Hickey, qui est un développeur assez hors norme, avec des idées assez remarquables. Je vous invite vraiment à regarder ses vidéos, ses talks, il en fait énormément dans les confs, pour parler de la complexité du boulot du développeur, de la complexité aussi accidentelle, il adore parler de ça. C'est la complexité qu'on se rajoute avec nos frameworks, nos librairies, nos langages, de la complexité accidentelle et incidentelle dont on n'a pas besoin. Pour vraiment se concentrer sur la logique métier et les problèmes qu'on doit résoudre. Donc vraiment, vraiment intéressant. C'est pas un gourou, hein, ça va. C'est un langage multiplateforme, on va le voir, qui ciblait d'abord la JVM pour plein de raisons. Déjà la richesse de l'écosystème, hein, en termes de librairie, et puis qui a petit à petit, depuis 6-8 ans, contaminé aussi le monde du JavaScript. Donc c'est du multiplateforme. Et pour commencer, c'est assez simple, hein, il faut évidemment mettre du tooling, mais si vous vouliez commencer de zéro, juste un jar suffit pour se mettre le pied à l'étrier. Donc un langage multiplateforme, comme je le disais, qui aujourd'hui permet d'attaquer avec un seul corps langage, plusieurs plateformes, le browser, le navigateur, mais aussi la JVM, et aussi côté serveur, évidemment, puisqu'on émet du JavaScript, l'écosystème Node. Et on a aussi un autre runtime pour Clojure qui cible en fait la plateforme .NET. Donc de ce côté-là, c'est assez mature et c'était assez astucieux de la part des designers du langage de vraiment toucher aux différentes plateformes des développeurs. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plateformes et plus seulement de langage. Alors pourquoi essayer, et puis j'espère adopter, hein, si je vous en donne le goût, ce fameux langage. Alors pour rigoler, c'est vraiment un problème qui revient tout le temps. Lisp, en fait, a pas envie de mourir. C'est un langage qui a été conçu en 1958. C'est le deuxième langage le plus vieux, après Fortran. Donc c'est McCarthy qui l'avait designé. Et à chaque fois, on le redécouvre avec des nouveaux dialectes. Il y a des raisons à ça, surtout aujourd'hui, avec les problèmes de programmation parallèle, concurrente, les problèmes aussi de traitement de données. Aujourd'hui, un développeur nécessairement fait du traitement de données, du data processing, et vous verrez que Clojure a une histoire excellente sur ces sujets-là.
Y a des grands noms qui en parlent, hein, donc ça m'avait intrigué à l'époque. Moi je me suis mis assez tard, hein. Je me suis mis en 2012, fin 2012, à Clojure. Je sais pas si vous connaissez ESR, Eric Raymond, c'est celui qui a inventé le terme d'open source par opposition au free software. Et dans ses bouquins, il parle de Lisp, pas pour le résultat du codage en Lisp, mais surtout pour l'expérience du développeur. Pour les nouvelles façons de penser que ça amène. Ça m'avait intrigué. D'autres vieux de la vieille, comme un Dijkstra, disent la même chose. Alors au début, il n'aimait pas trop le Lisp, hein, Dijkstra. C'est quelqu'un qui vient de la programmation dynamique, qui vient de l'impératif. Et donc la programmation fonctionnelle par composition, il n'était pas trop pour. Et puis il s'y est mis. Et il disait la même chose à la fin. On a un sentiment libératoire quand on se prend toute la complexité du monde logiciel, quand on revient sur du Lisp. C'est comme une bouffée d'air frais. Bon, j'espère que je vous ai intrigué. Effectivement, quand on regarde le manifesto du langage écrit par Ritchie, on se rend compte que c'est la réponse d'un dev senior à toute la merde. Voilà, toute la merde de notre métier. C'est vraiment la réponse aux problèmes fondamentaux du développement logiciel. Et surtout des problèmes de ce genre, hein, vous connaissez bien la Bérésina, le Waterloo du programmeur, c'est quand on se colle du legacy, des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de lignes de code faits par différentes générations de développeurs, avec tout un historique de business, hein, de besoins métiers qui a évolué, qui devient obsolète, qui était surtout mal compris. Très important, mal compris par le dev, hein, souvent des problèmes de communication entre les deux communautés. Pour des raisons très claires, les devs travaillent sur de l'objet, des records, des choses sur lesquelles appliquer des opérations de création, de lecture, de mise à jour, de suppression, alors que les gens du métier parlent d'activité. Excusez-moi, c'est orthogonal. Donc la programmation fonctionnelle, pour ceux qui en font, vous avez peut-être perçu que finalement ça permettait de réaligner en fait ces deux mondes, le monde du métier, de l'activité, et le monde du dev et de la mutation, de la mutabilité des enregistrements sur disque ou dans la mémoire. Bon, intéressant. Et effectivement, quand on regarde toutes les réponses du dev ou des designers de langage, de librairie et de framework, on se rend compte à chaque fois que c'est la même chose. On a des problèmes justement de code spaghetti, parce que ça ne fait qu'évoluer, on ne fait qu'encapsuler, empiler les abstractions. Donc on essaie d'y répondre avec plus d'abstraction, l'objet, ou par la composition, programmation fonctionnelle, donc déjà deux mondes. Les problèmes de gestion de mémoire, bon, on va passer, c'est du technique. Les problèmes d'effet de bord aussi, qui font qu'à un certain moment donné, vos fonctions sont plus du tout unitaires, elles se mettent à avoir des effets de bord. Donc comment on fait pour le gérer? Parce qu'elle a une très bonne réponse, pas d'effet de bord. Bon, c'est un peu violent. Mais le début de solution est là, hein, avec les fonctions pures. Et puis ensuite, il y a le problème de partage des données. Aujourd'hui, par défaut, par définition, tous les systèmes, les apps que vous construisez, c'est des apps concurrentes et surtout distribuées. Déjà, rien que l'approche client-serveur est distribuée. Donc se pose le problème de partager les données et d'y accéder, d'accéder à des copies que quelqu'un d'autre va modifier, que ce soit un client, un serveur ou un autre thread, enfin, vous connaissez le problème. Donc à un moment donné, on peut être un peu violent et se dire, mais si mes données étaient immutables, ça serait pas mal. Et comment faire pour ensuite répondre à des besoins métiers si mes données sont immutables? Vous expliquez ça à un Pékin moyen ou votre client, il vous jette. Gardez ça en tête. Les problèmes de verrou. Tous ceux qui ont fait de la programmation parallèle ou de la programmation scientifique, vous connaissez le problème. C'est une horreur. D'accord? Quand on est sur une base de données, on a accès à des transactions, c'est quand même sympa. Qu'est-ce qui se passerait si un langage, en fait, vous exposait sous forme de primitive, la transaction directement dans le code, plutôt que ce soit un mécanisme offert par une base de données, par un process tiers. La composabilité aussi, c'est un sujet extrêmement important. Avec l'objet, on fait souvent un design upfront, à l'avance, du problème. Donc vous, dev, vous êtes architecte, d'accord? On a une vision top-down du problème. Excusez-moi, mais vous le savez tous, quand on attaque le problème, vous avez une vision partielle de ce qu'il faut faire,
Et c'est au bout de plusieurs itérations que vous savez en fait ce qu'il faut faire. Et il faut casser l'architecture. Le top-down ne scale pas. Et le top-down en fait mène à beaucoup de frustration. Le bottom-up, offert par la programmation fonctionnelle, donc la composition de petites primitives, de petites fonctions unitaires, finalement évolue de façon beaucoup plus organique. Et beaucoup plus facile à recomposer, à refaire, au fur et à mesure que votre compréhension du problème évolue. Mais c'est pas de l'agile, ça ? C'est intéressant. Donc sans faire de la philo, et puis je termine par les macros aussi. Hein. Les macros sont aussi la réponse au design non fini des langages. Regardez le C, regardez des langages qui supportent les macros. Ça vient souvent après. Et on se dit, voilà, c'est pour les experts, pour rajouter des fonctionnalités qui n'avaient pas été imaginées. Mais qu'est-ce qui se passe si on avait un langage extrêmement simple, où les macros étaient en fait un citoyen first class du langage, et ce qui fait qu'en fait c'est encouragé pour que vous fassiez en fait des DSL, des Domain Specific Language, à partir du langage. Ben voilà, là on vient d'écrire en fait les principes d'un Lisp, les principes de closure. Alors, j'hésiterai pas à dire que Clojure en fait est un langage optimisé pour nous, pour vous, pour les développeurs, pour l'expérience développeur. Donc ça c'est sympa d'avoir pensé à nous, plutôt que de compenser avec des IDE, de l'autocomplétion, etc. Et Clojure en fait est d'abord un langage très concis. Il est extrêmement facile de garder des algorithmes entiers dans sa tête, ou juste dans la partie visible de son écran. Cette concision fait que on a très peu d'entropie, on a très peu de complexité accidentelle sur des fonctions simples. C'est tout simplement une fonction pour regarder si la chaîne de caractères est vide. Vous l'écrivez de façon impérative, vous le comparez à l'approche fonctionnelle, où je définis une fonction. On va regarder la syntaxe, hein, donc vous n'arrêtez pas la syntaxe. On définit une fonction blank point d'interrogation qui prend une chaîne de caractères S et qui va regarder si chacun des caractères dans la chaîne S renvoie le booléen is white space. Donc ça vous permet d'avoir une densité très importante d'opérations, d'actions, et puis de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire, l'algo, le besoin métier, la logique métier, et tout le reste, ça s'en va. Alors qui est gêné par les parenthèses au début des appels de fonction? On va le regarder, hein. C'est un peu bizarre, mais pour ceux qui connaissent la blague du Lisp avec les parenthèses partout, en fait, il y a moins de parenthèses dans du code Lisp que dans du code Java ou JavaScript. Côté JavaScript, c'est la même chose. On a aussi cette concision assez sympathique qui permet très très simplement de s'attaquer à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut appliquer à la structure de données. Là, j'ai une liste en fait de dictionnaires là-haut avec des clés de type nom et année, capitole du libre, année 2016-2017, et je voudrais trier ce tableau en fonction de la valeur de la clé nom. Et ben en Lisp, voilà, c'est une ligne, sort by, le nom de la clé et le nom de la structure de données. Donc ça a l'air magique, ça fait du code dense, mais ça vous permet en fait très très vite de vraiment réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de ma donnée en mode input-output. D'accord ? Et de vraiment travailler sur vos systèmes, sur des comportements de type input-output, donc du fonctionnel. Alors on va creuser un peu. À la syntaxe, il y en a donc très peu. Le Lisp, en fait, s'il fallait complètement le réduire en termes de syntaxe, c'est j'ouvre une parenthèse, je mets un symbole, chaîne de caractère en fait, qui est le nom de la fonction, et tout le reste, ce sont des paramètres. C'est tout. Ça peut être un paramètre, deux paramètres, trois paramètres, c'est tout. Donc si je devais écrire Hello World, voilà, j'ouvre ma parenthèse, j'écris println Hello World. Et ça va écrire dans votre Apple, dans votre boucle interactive, où après avoir compilé le code, ça m'écrit sur le terminal Hello World. Foo de A à B, bah, c'est l'équivalent d'un appel de fonction foo parenthèse A virgule B. Si je veux additionner 10 et 20, pour ceux qui se souviennent comment marchent vos calculettes, bah, j'appuie sur plus et puis ensuite je rentre mes valeurs. J'appuie sur entrée, je ferme la parenthèse, ça m'envoie 30. Donc là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à imbriquer les expressions,
Là on a des choses un petit peu plus compliquées. Je mets plus, j'ai ensuite deux expressions qui commencent chacune par leur fonction qui est la multiplication. Et là en fait il y a quelque chose d'assez intéressant où vous allez remarquer que en Lisp il n'y a pas de compilation intermédiaire pour générer un arbre syntaxique, vous manipulez directement l'arbre syntaxique. Tout le monde sait ce que c'est un AST, un arbre syntaxique, qui connaît? D'accord. Il faut juste connaître le concept. Bref, le concept intermédiaire qui détermine l'arbre en fait d'instruction n'existe pas en Lisp. Vous le manipulez directement. C'est une astuce assez sympathique. C'est un effet de bord assez génial qu'on a observé dans mon ancienne boîte et puis aussi ailleurs. Comme la syntaxe est très simple, elle est partagée en fait par les jeunes et les vieux, les juniors et les seniors, les gourous et les débutants, et ce qui fait que ça assainit énormément les relations entre les gens d'une équipe. Et ça vaut de l'or. Moi je viens du C++, hein, je viens du spatial et du Fortran. On a fait beaucoup de Scala aussi, et ce sont des langages qui très très vite font des équipes à deux niveaux. Où il y a les juniors qui font une espèce de Java mais un peu plus compact, ou du C avec des classes, C++, et il y a les quelques gourous qui maîtrisent la programmation par trait, le template metaprogramming, ce genre de choses. Et donc ça fait des deux publics qui se causent plus. Ça c'est pas bien ça. Parce que les jeunes, quand ils arrivent, ils vont plus bénéficier de l'enseignement et des code reviews des plus vieux. Les plus vieux disent, bon, vous faites de la merde. Et les jeunes disent, on ne peut pas travailler avec les vieux. Ils font des choses incompréhensibles. Et en Lisp, en fait, ça n'existe pas. Donc vous avez une communauté assez remarquable et très, très friendly pour les noobs, pour les juniors. Enfin, on ne s'est jamais fait jeter pour une question bête. Ça, c'est très sympathique comme effet de bord. Les fonctions, les voilà, pas grand chose à dire. Comme en Python, on ouvre la danse avec un def n, un def fonction, qui va nommer la fonction, définir le nombre de paramètres, les paramètres d'entrée, et puis la dernière instruction à la fin de la ligne, c'est son résultat sera renvoyé. Donc vraiment, rien à dire. Il n'y a pas de return, il y a juste un défaut. Il est facile de faire de l'arity multiple pour être capable ensuite de faire du dispatch et avoir une fonction bar qui prend soit un seul paramètre, soit deux paramètres. Là où la programmation fonctionnelle en fait est intéressante, c'est que les fonctions sont des citoyens de première classe, c'est-à-dire qu'on peut très bien définir des fonctions qui renvoient des fonctions et des fonctions qui acceptent des fonctions. Donc quand on parlait de composabilité, c'est exactement ça. Donc là, on a une fonction getAdder qui va renvoyer une fonction. L'appel à cette fonction, on peut l'attribuer à une variable f et l'appliquer ensuite. C'est tout. Et en fait, defn, la définition de la fonction, c'est juste, si vous allez dans le code closure, def fn. C'est tout, c'est juste un shortcut. Donc c'est assez élégant, mais surtout ça permet donc de composer pour l'ingénierie logicielle depuis le bas, en bottom-up, plutôt qu'architecturé par l'objet. Puis un dernier point, on a évidemment des fonctions anonymes, parce qu'on a souvent tendance à passer des fonctions sans les nommer. Et là, il y a ce qu'on appelle du sucre syntaxique, on a juste à écrire un dièse, ouvrez la parenthèse. Et ensuite, les arguments de la fonction seront pourcentage 1, pourcentage 2, etc. Très clair ? Ou pas ? Oui ? Absolument. Absolument. Alors, par contre, ce serait mentir qu'on peut le faire exactement là-dedans, dans le namespace que j'avais ouvert. C'est un langage dynamique, donc le type n'est pas connu. À l'écriture, dans l'IDE, il est, ça peut être l'exécution. Sauf que, on le verra après, Clojure en fait est un langage de librairie, on compose des librairies, et le typage est arrivé il y a peu dans Clojure, avec une librairie qui s'appelle CoreType, et qui tout simplement en fait ne demande qu'à être inclus dans votre projet, et voilà, vous avez du typage. Et donc là, vous pouvez faire du pattern matching sur le type.
mais seulement si vous avez importé cette librairie. Alors il y a très peu de primitives, et ça c'est un point important parce que ça permet de monter assez vite en compétence sur le langage. Il y a tous les types auxquels on pourrait s'attendre, hein, les booléens, les caractères, les keywords qui sont des symboles un petit peu particuliers, les listes qui sont vraiment en fait la base du code. En fait, le code est écrit sous forme du liste de listes. Donc code is data, data is code. Ça vous permet de modifier aussi avec le système de macro le code, les dictionnaires qu'on a vu très vite, les ensembles, les chaînes de caractères et les vecteurs qui sont un peu plus sympas que les listes pour travailler sur de la donnée parce que leur performance pour rajouter un élément est bien mieux que celle des listes. Alors, sur la version JVM de Clojure, vraiment Clojure n'a rien à cacher, hein, il est très très près en fait du Java, et si dans votre éditeur vous demandez la classe de 1, vous voyez ce que ça renvoie, hein, c'est un long, la classe d'une chaîne de caractères c'est un Java string, etc. etc. Donc Clojure est une surcouche très très light des types de la JVM. Alors Clojure adore les listes, tout simplement parce que le code est écrit sous forme de liste. Et une liste, c'est quoi? C'est quelque chose entre les parenthèses. Et on vient de parler d'une fonction et d'un appel de fonction, c'est on ouvre les parenthèses, on met le nom de la fonction, et le reste des termes, ce sont les arguments. Donc en fait, vous manipulez des listes. Donc la liste est vraiment au cœur de ce langage-là. Ça peut être des valeurs homogènes ou hétérogènes, vous pouvez mixer absolument tout ce que vous voulez. Il y a une notion d'immutabilité dans les listes, qui est très très importante à garder en tête, parce que par défaut, tout le code Clojure est thread safe, d'accord, sur la JVM, parce que si vous modifiez, entre guillemets, une liste, ou si vous rajoutez une valeur, en fait, ça ne détruit pas l'ancienne instance de la liste. Ça va créer une nouvelle copie, une nouvelle pseudo-copie, qui est en fait juste le nouveau membre, et le reste, c'est un pointeur vers l'ancienne copie. Comme tout est immutable, en fait, vous êtes capable d'avoir des data structures, des structures de données extrêmement efficientes, quand vous faites du data processing ou du multithreading, et de façon thread safe. Il n'existe pas de verrou en Clojure, il n'y en a pas besoin. D'accord ? Les deux primitives du langage pour travailler sur les listes, c'est first et rest. First pour récupérer le premier membre de la liste et rest pour récupérer la suite. Et il y a un papier d'une élégance absolue qui date justement de 1958 qui définit en fait l'ensemble du langage, tout le langage, juste sur la base de ces deux primitives. Lisez-le si vous voulez, si vous êtes un peu geek. C'est hallucinant. L'ensemble du langage est écrit en quelques lignes. Par contre, pour le rendre performant, il a fallu attendre 40 ans. Alors les listes, les voilà, hein, on les voit depuis quelques minutes. Là-haut, c'est la liste avec deux entiers, 10 et 20, une liste qui mixe un caractère et une chaîne de caractères. En dessous, vous avez le constructeur. Comment créer une liste? C'est une fonction toute bête. Liste avec les deux paramètres et on renvoie une liste 10, 20, 30. Vous avez encore un petit peu de sucre syntaxique là, que l'interpréteur vous offre, c'est l'apostrophe. C'est juste pour accélérer les choses et taper moins de caractères. Et en dessous, vous avez la démonstration de first et rest. First pour accéder au premier membre, ça envoie 10, et rest pour renvoyer ensuite la suite de la liste. Donc imaginez dans votre langage qui n'a que ces deux fonctions, il vous manque la fonction « je voudrais le deuxième membre d'une liste », c'est quoi? C'est « first » de « rest ». Voilà, vous avez composé en fait une fonction qui n'existait pas, juste avec ces deux primitives. Et vous avez une fonction aussi qui est construite à partir de ça, fonction « conge » qui va ajouter à une liste le membre 5. Et ce membre-là, comme c'est, vous savez comment implémenter une liste, membre 5, est inséré au début de la liste et pas à la fin, ce serait un vecteur. Voilà les listes. La composition de fonctions permet de faire donc des choses assez intéressantes et on va aller directement à des fonctions intéressantes
en fonction, en programmation fonctionnelle, que vous avez dû voir, je suis sûr, en cours, ou si vous faites du Big Data, de la Hadoop, du Spark, etc., Map, Filter et Reduce. Qui en a entendu parler? Ah, quasiment tous. Qui en a... De nom? En fait, on en parle là, depuis quelques années, MapReduce, etc., la sauce secrète de Google pour scaler, hein, enfin, elle a plus de 10 ans, hein, et ce sont des primitifs qu'on utilise largement dans les frameworks Big Data aujourd'hui. Ça a été défini dans le papier de 1958 de McCarthy, avec Lisp, donc, qui a été le premier à les implémenter. Et Map, vous les connaissez, hein, ça va permettre d'appliquer une fonction à chaque membre de la liste. Et là voilà, dans sa splendeur, je vais mapper sur ma data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la fonction incrément, plus 1. Ça me renvoie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mapper aussi une fonction anonyme, celle qu'on a vue tout à l'heure, qu'on va définir avec le dièse, ouvrez la parenthèse. Qu'est-ce que c'est? C'est je multiplie par 2 le premier paramètre de la fonction. Donc tout ce que je fais, c'est multiplier par 2 ma liste. Voilà, map. Filter. Même chose, elle va récupérer une fonction à appliquer à toute la data et ne renvoyer que les membres qui satisfont le prédicat. Oui. Oui, tout à fait. Alors là, le pourcent, en fait, c'est juste un raccourci. C'est si jamais on sait que cette fonction ne prend qu'un seul argument, par défaut, c'est le premier. Si votre fonction anonyme se met un peu plus complexe, donc attention, est-ce qu'elle doit vraiment être anonyme dans ce cas-là, et vous savez qu'elle prend 2, 3, 4 paramètres, vous allez mettre pourcent 1, 2, 3, 4 pour retrouver ces bons paramètres. Et là, en général, plus de 2, c'est le signe qu'une fonction anonyme n'est peut-être pas idéale. Vous rajoutez de la complexité très loin dans la boucle du programme, c'est pas très bien. Voilà. Et vous avez la fonction de réduction, hein, qui fait partie de ces fameux frameworks de parallélisme. La fonction de réduction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre une collection de données et une fonction qui prend deux arguments. Et reduce l'applique aux deux premiers arguments, ou au premier plus ce qu'on appelle un seed, une variable d'initialisation, récupère ce résultat, applique ensuite ce résultat. Applique la fonction à ce résultat et le deuxième membre, etc., etc., en cascade. Donc en fait, on zip, on réduit une collection en appliquant itérativement une fonction qui vient collecter avec un collecteur, un agrégateur, les résultats intermédiaires. Là, on vient de définir Hadoop V1. Voilà, et quasiment tout. Tout le reste, après, c'est la programmation réseau, du shuffling, de la reprise sur erreur, etc. D'accord ? Donc, on a un langage qui est presque Big Data ready, parce que s'il est immutable, s'il est capable, en fait, d'appliquer ses primitives sur des collections parallèles, vous voyez, le saut n'est pas très dur à faire entre la programmation sur une seule machine, sur une JVM, et la programmation distribuée. Ça vous cause tout ça? On est trop près du déjeuner. Ok. Il y a des choses très intéressantes aussi, pas sur la programmation parallèle, mais sur la programmation par flux. Là, vous avez un code, par exemple, qui est intimement lié à l'aspect fini de la collection sur laquelle on va travailler. Voilà, on va travailler de façon impérative et vous regardez, dans la boucle for, on est obligé d'aller récupérer la taille de la structure donnée, enfin du vecteur ou du stream, tester et puis modifier une variable de sortie. Et Clojure, en fait, vous aide énormément à réfléchir sur la complexité algorithmique de cette chose-là et surtout la portabilité du code. En réfléchissant, en composant avec les primitives dont on a parlé, là, très très vite, on peut proposer une autre approche en Clojure. Vous avez toujours la liste de données là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous définissez séparément la fonction à appliquer sur chacun des membres. Et la fonction, l'application séquentielle de Reduce, de Map et de Filter, en fait, est parfaitement adaptée. Donc là, vous avez écrit
un pipeline de données qui combine filtrage, mapping et réduction, qui est devenu indépendant en fait maintenant de la structure de données originale. Et il se trouve en fait que Clojure est un langage à évaluation paresseuse. Donc en fait, il se fiche complètement du type de data structure en entrée du moment qu'il implémente first arrest, c'est-à-dire faire un pop en fait de la première du premier membre de la collection, du stream, et le reste, on verra après. On vient de définir les bases du stream processing. C'est quand même assez intéressant. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de changer de paradigme ou de changer de façon d'écrire ou de travailler sur des frameworks ultra compliqués. Vous avez les primitives d'un langage qui vous permet d'attaquer directement du data processing en stream ou en batch. C'est assez moderne quand même. On peut améliorer la lisibilité parce que imbriquer les choses souvent ça fait des choses très difficiles à lire parce qu'il faut il faut lire à l'envers hein, comme l'SQL hein, il faut lire de droite à gauche, on n'est pas japonais. Vous avez une macro qui est la macro qu'on appelle FredLAS, qui est ce petit tiré et ces deux chevrons, et en fait elle fait exactement ça. Tout ce qu'elle fait, c'est lire à l'envers les instructions pour en fait revenir à un mode un peu plus standard de lecture, hein, de haut en bas et de gauche à droite, les opérations. Donc tout ce qu'elle fait, c'est prendre, pour ce qu'on a écrit là, le résultat de l'application de filter à la data, elle prend son résultat, mais avant de l'interpréter, va l'insérer à la fin de la deuxième instruction, donc après square, d'accord, va reprendre ensuite cette expression, et puis l'insérer à la fin du reduce. Donc c'est strictement équivalent, sauf que c'est beaucoup plus facile à lire en tant que pipeline de données. Ouais. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Mais au lieu de les écrire, de faire de l'interleave, de les entrelacer en fait avec les différentes fonctions, comme d'habitude en Lisp, on le met au début. Et c'est strictement équivalent. Voilà. C'est juste pour aider à la lecture et à la compréhension de ce qu'on fait. Donc ça n'a pas de coût puisque ça c'est fait, la macro en fait est exécutée à la lecture du code et pas à son interprétation. Donc le coût pour vous est zéro. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant quand on voit des choses à faire en intermédiaire, imaginez vous écrivez un ETL et que vous avez vu que vos adresses IP sont mal formées, que vous avez des choses intermédiaires à écrire, il devient trivial ensuite de les insérer maintenant dans les étapes de ce pipe. Donc vous voyez, c'est très friendly sur la data, sur ce qu'on veut faire. C'est vraiment un langage qui se met de côté, qui s'efface et qui vous laisse vraiment travailler sur le problème métier. Alors, on parlait de pattern matching pour le type. Là c'est un peu similaire, mais c'est juste la déstructuration, comme en Erlang par exemple. À faire du matching, du pattern matching directement sur les paramètres juste après la signature en fait de la fonction, enfin dans la signature de fonction juste après son nom. Ça a l'air de rien, mais quand vous avez en fait des grosses bases de code sur lesquelles travailler et que vous avez l'habitude dans votre équipe directement de mettre le matching, le pattern matching des noms de variables qui seront ensuite utilisés dans les fonctions directement dans la signature. C'est très confortable puisque vous avez en fait à scanner juste la première ligne de chaque fonction. Ça vous économise des sauts sur la déclaration après. C'est pas grand chose, mais ça aide. Vous voyez, on est vraiment dans le confort du développeur. Parlons des HMAP, des dictionnaires, parce que c'est en fait l'essentiel du temps que vous passerez en Clojure, en Lisp, en termes de data structure. Les dictionnaires sont extrêmement souples et flexibles. On peut avoir n'importe quoi en termes de clés. Ça peut être des entiers, ça peut être ça peut être des chaînes de caractères. Donc ça vous permet en fait de faire des choses assez avancées. Des automates, par exemple, assez avancés, rien que sur la base de dictionnaires.
Il y a toute une série de fonctions, de primitives du langage qui s'appliquent au dictionnaire. Count du dictionnaire en fait vous donne le nombre de clés, le nombre d'entrées. Keys du dictionnaire vous renvoie ensuite une liste des clés pour ensuite travailler dessus, regarder, tester l'existence. Et après, quelques petites choses sympathiques pour récupérer la valeur. Vous pouvez très bien aller sur le choix get dans ma map le nom de la clé, donc ça me renvoie le contenu. Mais vous avez des raccourcis aussi qui vous permettent en fait directement d'utiliser le keyword. Donc vous voyez l'intérêt de ce genre de symbole. Directement utiliser le keyword qui devient maintenant une fonction appliquée à la map et qui vous renvoie le contenu de la clé. Et même chose inversement, le dictionnaire est aussi une fonction et appliqué à un keyword, si jamais cette clé est présente, ça ne vous renvoie pas à nil, mais ça renvoie ce contenu. Alors ça a l'air de rien, mais implémenter un automate ou un réseau de Petri en closure, c'est 2-3 lignes de code et c'est des choses certifiables qui marchent parfaitement. Puisque vous avez maintenant juste à composer la fonction, le dictionnaire avec lui-même. Voilà, c'est des choses assez, assez magiques. Oui. Ouais. La comparaison, si les membres de l'ensemble sont les mêmes, la clé est la même. Voilà. Non, tout à fait. On va arriver sur tout ce qui est problème de référence et d'immutabilité, merci. Je vais vous introduire deux trois fonctions là qui sont assez intéressantes, qui vont permettre de modifier, entre guillemets, de mettre à jour des dictionnaires, sauf que ça ne le fait pas, ça a envoyé des copies. L'association qui permet de rajouter donc une paire ou plusieurs paires de clés valeurs, la dissociation, permet d'enlever une clé, et la mise à jour qui permet pour une clé précise d'appliquer une fonction, et toutes ces fonctions là renvoient une nouvelle structure de données. On l'appelle une copie, sauf qu'elle partage tous les membres qui n'ont pas été modifiés avec l'ancienne copie, donc c'est extrêmement efficace. D'accord ? Donc toutes ces choses là, ces fonctions là vous pouvez les appeler dans un programme multithreadé, programmation parallèle, de façon complètement safe. D'accord ? Complètement sûr, c'est garanti. Alors, un des principes, je ne sais pas si vous connaissez Alan Perlis, hein, c'est un des premiers lauréats du prix Turing. Un des principes de closure, en fait, par rapport à l'objet, puis de façon un peu classique et impérative de travailler, on préfère avoir un type de structure de données, avoir très peu de types, et puis en général on travaille sur les dictionnaires qui sont suffisamment puissants en fait pour couvrir la plupart des besoins, et on préfère avoir plein de petites fonctions bien documentées et composables plutôt que de travailler avec beaucoup de types qui ont chacun encapsulé, qui ont leur méthode, etc. Donc c'est vraiment un principe de ce genre de langage. Effet de bord, sympathique, ça permet de mieux gérer la complexité. D'accord ? En tant que programmeur, quand vous travaillez sur des grosses bases de code, il devient maintenant beaucoup plus facile de raisonner sur la data, sur le comportement du système, avec ce genre d'approche. Je ne sais pas si c'est votre expérience, hein, si vous travaillez sur des grosses bases de code, beaucoup de legacy, ou... Voilà, enfin, vous voyez, la complexité, c'est vraiment un gros problème. Quand vous arrivez le matin, vous faites une montagne des tâches à venir, c'est un problème de complexité accidentelle. Mais complètement. Mais ça vient du métier. Mm.
Non, mais on est complètement d'accord. Il y a un problème d'accompagnement de la complexité métier de sa découverte. Et en général, c'est très mal mappé sur le code. Ouais. De toute façon, dès qu'on commence à travailler tout de suite sur le code, c'est mort. On est plus que d'accord. Ok. Immutabilité, je vous fais très vite, juste pour que vous voyez un peu comment ça marche. Toute la base, en fait, des structures immutables en Clojure est basée sur une structure de données qui est assez récente, qui s'appelle un try, pour le différencier des arbres. Et c'est juste une façon extrêmement élégante, par référence, d'enrichir une structure de données à partir d'un seed, à partir d'une structure de données originelle, et ce de la façon la plus parcimonieuse, avec le moins de redondance possible. D'accord. Donc les papiers en fait qui ont implémenté ça montrent qu'on peut implémenter des vecteurs, des listes, des arbres, des tables de hachage avec ce genre d'approche en minimisant la redondance et le nombre de copies. Et donc ça permet d'ajouter un membre à un vecteur ou une liste de la façon la plus parcimonieuse et en gardant l'ancienne copie. D'accord. Et vous avez l'illusion d'avoir deux valeurs complètement différentes alors qu'en fait elles partagent la plus grande partie possible de leurs membres. Alors si on ne peut pas muter la donnée in place, hein, vous imaginez mais comment on fait des boucles, tout simplement par récursion. Donc là c'est un petit peu le petit souci, j'irais, de la programmation fonctionnelle, on a souvent pas tendance à penser récursion. Alors heureusement que Clojure vous amène un petit peu de sucre syntaxique pour vous aider avec la construction de type boucle. Et boucle, en fait, vous offre ici un vecteur qui correspond à l'initialisation des variables. Là, résultat, c'est un vecteur vide, x vaut 5 au début, et ensuite il va exécuter tout ce qui vient après jusqu'à l'instruction récure. Alors, si x vaut 0, et bien là on s'arrête, on renvoie le résultat, d'accord, et ça, c'est-à-dire que résultat devient maintenant le résultat terminal, l'expression terminale de cette expression loop, donc ça sort. Si ça vaut pas 0, eh ben, on va appeler récure, et récure, tout ce qu'il fait, c'est appeler en fait la même expression à partir de loop, mais en changeant les paramètres de loop, qui est juste une fonction, et en les remplaçant par ces deux choses-là. C'est-à-dire la conjonction du résultat et de x, et on décrémente x. Voilà. Donc là, il y a juste un petit peu de gymnastique pour se remettre la récursion en tête, et on suit tout à fait les principes de la syntaxe de Lisp. Alors, transaction et concurrence, c'est là que ça vient... Oui, pardon. Par tail call, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors si, absolument, sauf que c'est du faux tail call, la JVM en fait ne l'implémente pas. Donc vous allez l'écrire, mais vous n'en aurez pas le bénéfice. Tout à fait. Ouais. Transaction et concurrence, c'est là que Clojure devient extrêmement intéressant et vous offre en fait des primitives qui vous simplifiez la vie. Les threads, vraiment rien à dire, ce sont les threads de la JVM qui sont directement exposés. Avec l'interopérabilité Java, vous appelez directement le constructeur thread, c'est un thread Java qui vient d'un pool, vous lui passez une fonction à exécuter, vous appelez la méthode star dessus, vraiment rien à dire, on est dans le monde Java. Sauf que le partage de données et l'accès aux différentes données, là ça devient hyper intéressant puisqu'on parle de données immutables. Donc pour raisonner sur le comportement du programme, déjà ça devient beaucoup plus facile. D'accord ? Vous êtes capable en fait de garantir que la lecture d'une structure de données à un instant T correspond vraiment au contenu de la variable, puisqu'en fait ça a été écrit une fois. Donc il n'est pas possible de se tromper là-dessus. Vous avez un système de référence qui vous permet aussi de mieux piloter
l'accès à la donnée, et ce de façon explicite. Ce sont des références en fait qu'on utilise dans un mode transactionnel. Je vous montrerai à quoi ça ressemble après. Une référence, c'est quoi? C'est une référence à une variable. Donc c'est une référence est immutable et fait référence à une variable. Une référence, pardon, est mutable et fait référence à une valeur immutable. Et donc pour avoir accès au contenu de la référence, il faut la déréférencer. Et en fait, c'est le mécanisme que Clojure utilise pour vous aider à mieux réfléchir sur la programmation par thread. Explication. Clojure vous présente une fonction, enfin c'est une macro plutôt, vous n'allez pas le savoir, DoSync, qui va vous garantir que tout ce qui est exécuté dans le corps de l'expression se fait dans une transaction. Donc là, il est impossible, par exemple, pour un autre thread qui vit ailleurs, qui vit sa vie, qui fait son boulot, il est impossible pour un autre thread, dans ce cas précis, d'accéder, de lire, de déréférencer la variable yesterday, d'y lire Monday, d'accord, et aussi, en même temps, de déréférencer la variable today et aussi d'y lire Monday. C'est pas possible. D'accord, donc ça, c'est quelque chose, on a l'habitude de l'utiliser dans des bases de données, ce genre de choses. Et là, Clojure, en fait, vous offre directement ce genre de comportement. Donc ça vous permet de mieux raisonner, de mieux garantir le résultat de votre programme. Ah ok, ça marche. C'est vraiment un problème de lecture. On n'est pas du tout dans l'écriture, là on est dans la lecture. L'invariant qu'on cherche à garantir à l'échelle du système, c'est si je lis, si j'ai accès en fait à yesterday et today, il est garanti que yesterday sera avant today. D'accord, c'est ça l'invariant métier par exemple. Vous voyez, on n'est pas sur la technique, on est vraiment sur un invariant, la métier. Vous voyez, il est extrêmement facile maintenant d'aller présenter ça, d'aller garantir ça auprès du métier, auprès des clients, etc. Alors que c'est des choses avant qu'on confiait à la base de données. Vous voyez, on empilait les couches, puis on était obligé de mettre des invariants métiers, de les déférer, de les confier à un Oracle, un Postgres, etc. Et là, en fait, le langage vous l'autorise. Donc ça vous permet de ramener la complexité métier là où elle devrait être. Très intéressant. Ça, c'est assez récent. Je sais pas qui fait du Go. Un peu, ouais. Les Go routines, vous connaissez? D'accord. Go a une langage Go, beaucoup utilisé en programmation système et distribué, et a une histoire assez intéressante pour tout ce qui est en fait programmation concurrente et tout ce qui en général demande du callback. Voilà, c'est du système distribué. Je vais exécuter quelque chose avec du RPC et j'attends le résultat un peu plus tard. Si vous le faites en JavaScript, vous connaissez l'enfer du callback. Et Go est extrêmement élégant pour être capable en fait d'éviter ce genre de callback avec ce qu'on appelle avec des machines à état. Ça, c'est une idée qui a été aussi récupérée chez Clojure sous forme d'une librairie. Donc le langage n'a pas été modifié, c'est hyper important, c'est une librairie à rajouter, et qui vous présente des primitives de canaux, ce qu'on appelle les channels. Voilà, vous en créez un avec le constructeur chan. Et ensuite, au sein d'un bloc, donc un bloc qui sera une petite machine à état, qui est exécuté sur son thread, en fait sur des pools de thread, vous allez écrire quelque chose de bloquant, enfin, ou qui a l'air d'être bloquant. C'est-à-dire, je vais faire un print du contenu du channel. Mais là, j'écris ça. Si le channel est vide, ben, je vais pouvoir poireauter pas mal de temps avant que quelque chose arrive. Et là, normalement, si j'écrivais ça dans un langage qui n'a pas la notion de continuation, l'expression là, le programme devrait s'arrêter et attendre que quelque chose arrive dans le canal, dans le channel de communication. En fait, c'est pas le cas. Le process ressort tout de suite, défaire cette instruction sur un pool de thread, et plus tard, ou dans un autre thread, ou plus tard dans une autre vie, va insérer avec cette fonction là dans le channel hello. Et à partir de ça, bah ça va en fait actionner le canal suivant dans sa goroutine, dans son bloc Go,
qui lui vivait sa vie, hein, et de façon non bloquante, et il va écrire « Hello » sur votre terminal. Donc ça, c'était quelque chose qui était plutôt réservé au Scheme, la continuation, à Go, etc. Et maintenant, c'est devenu une librairie Clojure. Ouais. Ah oui, c'est très similaire. Hein. Très similaire. Très similaire. Sauf que les channels, ici, leur implémentation, maintenant, elle est complètement ouverte. C'est une spec, elle est très simple. Et maintenant, ce channel, ça peut être une queue RabbitMQ, un topic Kafka, etc. Ouais. Encore une fois, on a des primitives très composables qui fait que vous n'avez pas à vous soucier de l'implémentation derrière. Ça peut être sur Amazon, sur Azure ou en local, etc. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais via la JVM, hein, c'est complètement déféré aux frais de la JVM, tout à fait, ouais. On a fait pas mal de choses. Interopérabilité, il n'y a pas grand chose à dire. Tout le langage Java en fait est disponible, il y a juste à l'importer. Les constructeurs sont là, les appels aux méthodes se font comme si c'était des méthodes, des fonctions Clojure avec le point. Pas grand chose à dire de ce côté-là. Gestion des exceptions calquées sur le modèle Java. Avec du throw, du try, du catch, finally. Et un outillage qui est vraiment optimisé pour votre confort. Ça c'est hyper important dans la lignée de Clojure. On a un projet assez rigolo qui s'appelle Liningen, qui est une surcouche de Ant qui vous masque complètement la complexité et qui se charge de récupérer, d'identifier en fait toutes les librairies dont vous avez besoin, de les récupérer d'un Maven central. Bref, plus besoin d'écrire de l'XML. D'accord ? Vous avez juste à écrire en fait des structures de données, des dictionnaires. Clojure et pilote pour vous des boucles de type REPL pour évaluer en interactif votre code. Donc c'est vraiment un outil qui s'efface, qui est assez pratique. On va commencer à parler un peu de web parce que je voulais vous parler de Clojure Script pour encore 5 minutes. L'approche, la philo de Clojure est vraiment orientée librairie, ça c'est hyper important. Donc vous n'avez pas de framework. Voilà, n'allez pas chercher un Ruby on Rails ou du Django côté Clojure. L'écosystème Clojure est organisé vraiment en librairie, qui font une chose, qui le font bien, un peu philosophie Unix, et que vous allez vous composer pour arriver à votre besoin. Parlons de Clojure Script, qui a un peu les mêmes promesses, mais avec un ciblage de la plateforme JavaScript. Qui est quand même assez compliqué, sauf si vous êtes parti, vous faites partie des chanceux qui sont partis sur du TypeScript dans votre business. Le JavaScript quand même a pas une histoire super en termes de data structure. Vous avez dû vous y frotter, et que le JavaScript en fait arrive avec toutes ces structures de données telles quelles dans le monde JavaScript sans avoir à se poser de questions. Rien que les ensembles, déjà ça peut vous sauver la vie. Et Clojure Script là par contre est indépendant de la JVM et dépend du compilateur Clojure avec un S, c'est malchanceux, fait par Google, qui a un mode de compilation avancé assez redoutable. Donc voilà, on est vraiment on sort là de la galaxie JVM, et c'est un code qui peut être exécuté sous V8, sous Node, sous le navigateur. Il ne se pose pas de questions. Depuis déjà un bout de temps, vous avez ce qu'on appelle les source maps, hein, donc ça vous permet aussi d'éviter de regarder la couche intermédiaire en JavaScript. Hein, quand on fait du transpilage, c'est jamais très agréable de débugger le code émis par un CoffeeScript par exemple. Au début c'est un peu galère en Clojure Script, maintenant vous ouvrez votre console de dev, vous avez directement du Clojure Script et la ligne à laquelle ça a cassé. Donc merci monsieur Nolen.
En termes de syntaxe, rien de nouveau. Hein, l'équivalence Java Clojure tient tout à fait aussi en JavaScript Clojure Script. Et ce qui fait que vous n'avez pas de surprise. D'accord, donc c'est assez intéressant. Tous les automatismes que vous avez en Clojure se portent en Clojure Script. Pas grand chose à dire là-dessus. Sauf que ça devient hyper intéressant pour toutes les fonctionnalités qui existent en Clojure Script et qui n'existent pas en JavaScript. Rien que les ensembles, par exemple, ça vous permet de faire des choses, de la logique parfois un peu complexe côté client, alors qu'il aurait fallu récupérer une lib ou faire du bricolage en JavaScript. Pour les intéressés, ceux qui veulent faire un projet réel, Clojure Script est extrêmement bien intégré à React. Qui connaît React ? En front-end, un framework donc ouvert par Facebook et qui vous permet en fait de la partie VView du MVC, hein, côté navigateur, et qui est assez élégant parce qu'il construit en fait un DOM virtuel, un document object model virtuel, donc l'arbre HTML que vous voyez, mais de façon virtuelle, de le comparer à ce qui est vraiment rendu dans le navigateur. Et à ne faire le rendu que de ce qui a changé. Donc ça permet de façon extrêmement parcimonieuse en fait de générer des apps assez complexes. Et Clojure Script donc a intégré React sous une librairie qui s'appelle Reagent et faire un composant, le voilà. Sous Reagent vous permet en fait très facilement à partir de la data de définir un composant. Là on a un vecteur qui contient un tag HTML. De point H2, c'est un keyword qui référence, en fait, qui déréférence l'état, si vous vous souvenez des déréférences. Donc vous voyez, c'est tout à fait consistant. Ensuite, vous pouvez composer ces composants avec un bouton et surtout un comportement qui va modifier l'état et ensuite automatiquement appeler toute la mécanique React. Donc pour les intéressés, si vous voulez construire vraiment des choses réelles en Clojure Script, Reagent est vraiment un point intéressant. Et pour les très intéressés, pour ceux qui connaissent par exemple Flux, qui connaît ? Ouais, très bien, Redux, qui est plus un pattern, hein, par extension, hein, c'est pas seulement une implémentation. Le CQRS, l'event sourcing, voilà, ça vous dit des choses. Ben voilà, c'est vraiment le portage d'un pattern qui permet d'organiser une action et ses effets de bord dans le navigateur. Et vous avez un projet en fait, qui permet maintenant d'attaquer des applis extrêmement complexes assez facilement, puisque ça étale la complexité, ça la réserve vraiment à des postes bien compris, bien identifiés. Donc là, c'est un pattern. Plus qu'une librairie. Voilà, j'ai arrêté. Je vais arrêter parce qu'on a fait une heure. Je vous ai mis quelques références ici. Hein, je mettrai les slides sur un speaker deck ou un slide share. Voilà, si vous n'êtes pas trop faim, ça vous a plu ? Super. Oui, allez-y. Alors non, on peut le compiler aussi. Il y a un sous-ensemble dans le langage core, donc indépendant de l'interopérabilité avec Java. Le langage core en fait est implémenté en Clojure, si je dis une bêtise. Ce langage core aujourd'hui a une implémentation en C. Ça s'appelle Hellman. Ce qui fait que maintenant on est complètement sorti de la relation pure JVM des dernières années. Et maintenant, Clojure Script est implémenté à 100% en Clojure Script. D'accord ? Donc on peut ce qu'on appelle le bootstrapper. Et donc maintenant, on n'a plus besoin de la JVM pour bootstrapper du Clojure. C'est similaire. En Java, par exemple, en Big Data, c'était notre métier, on était à 20-30% de la. Enfin, à 120-130% de la vitesse du Java. Donc il y avait un petit overhead, mais le confort en fait de développement faisait que, en général, on s'en fichait. Et
Alors, on sait avec le target justement du closure compilant, c'est oui. Avec la JNI, oui, par contre, c'est la galère. Je ne sais pas si vous l'avez fait. En général, on triche, on va sur Maven et puis on regarde qui a fait le boulot de faire un joli wrapper JNI sur la libre en C. Donc, tout ce qui est OpenLayer, enfin, tout ce qui est. OpenCV, pardon. Tout ce qui est OpenCV, par exemple, il y a un gars qui fait un super boulot, qui fait du wrapping de ses libres, et sans lui, on ne le ferait pas. Alors, ouais, il y a vraiment deux façons de le faire. Il y a le debugging, vraiment, côté architecture et design. Donc là, on est dans le Ripple, donc on fait du pas à pas. Et donc c'est l'équivalent du print, hein, vraiment. Mais on est vraiment en mode je débug mon algorithmie plutôt que de débugger mon code. Et là par contre on repasse sur de l'intellige et puis on met des points d'arrêt. Donc là vraiment aucune différence. Et profilage, même chose, hein, on fait du JProfiler, ce genre de choses. Ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Alors, ouais, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le, on n'a pas l'intérêt du compilateur qu'on est capable, qui est capable de raisonner. Ou faire de l'inférence de type, c'est l'interpréteur qui ira se plaindre ou pas. Donc depuis peu, alors il va se plaindre à l'exécution, sachant que on peut l'exécuter aussi comme si c'était un compilateur ou l'inférence de type, et il est extrêmement rapide quand on écrit dans l'IDE. Par contre, il n'ira pas explorer toutes les branches, etc. C'est évident, puisqu'il a besoin de data pour pouvoir explorer le contrôle de flux. Par contre, Camel le fait, ouais. mais pas Clojure. Par contre, Clojure a besoin de votre aide. Donc c'est pas idéal, mais ça permet déjà de résoudre pas mal de choses. La librairie CoreType, justement, vous permet de déclarer par des annotations les paramètres d'entrée et ce qui est attendu, le type de retour de la fonction. Donc par contre, c'est pas du Scala. Voilà, c'est pas l'expérience du développeur de Camel jusqu'à là. Boum, ça y est, en demi-seconde, je vois que j'ai mal réfléchi et j'ai des problèmes de type. Clojure va vous forcer à instrumenter en fait certaines parties du code et celles où vous avez vraiment besoin, parce que le problème est complexe, d'annoter les choses. Donc là, Clojure, je pense, ira jamais sur les terres d'un Scala plus SBT ou un Camel. Ça vous demande en fait un certain effort avec cette librairie. Super. Ok. D'autres questions? Ça vous inspire? Ouais. Ouais. Ouais, vaut mieux un vecteur, ouais. Je te rassure, après 8 ans, j'ai eu le même problème. Non, on fait du vecteur. Voilà, on fait du vecteur où on travaille sur des maps. C'est vrai que les listes, c'est un peu. C'est censé être la façon de travailler, voilà, surtout en ski, mais en Clojure on le fait pas trop. Ouais. Je suis d'accord. Tout à fait, absolument. Ouais. D'ailleurs, on avait implémenté un scraper. Non, la liste est immutable aussi. La liste est immutable, mais de toute façon, elle,
elle possède des références que vous pouvez déréférencer. C'est absolument pas un problème. Si vous la changez. Bonne question. On va tester pour pas que je dise bêtises. C'est une bonne question. Oui. Alors, avec des points d'arrêt. Et après. Ah oui, tout à fait, ouais. Et après, les structures de données s'explorent en fait comme en Java, donc c'est pas un souci, ouais. Non, c'est assez friendly d'un point de vue. Bon, ben, j'espère que ça vous a donné envie. Qui va tenter? Ouais, super. Alors il y a peu de gens en France qui en font. Je crois qu'il y a Oscaro qui est une boîte full closure. Oscaro.com. Une boîte qui fait des car parts. Puis après les gros, ils sont souvent en Allemagne, en Angleterre. Walmart fait beaucoup de closure aux US. Monsanto, enfin. Netflix aussi en fait. Voilà, ça commence à être utilisé. Bon, merci à vous, merci de votre patience parce qu'il est 1h.